We are in the studio of Plateau Virtuel, which is a big 90 square meter screen studio close to Paris, which is aimed to welcome any production in the world to do quality virtual production. Il y avait une volonté sur l'exploitation des plateaux, c'est toujours d'être en veille sur les nouvelles technologies. Et sont arrivés CXR, on s'est dit qu'il y avait pour nous un intérêt d'avoir et de maîtriser l'ensemble des technologies, quand bien même l'XR n'est pas spécifiquement un produit télé. Donc ce qu'on ne sait pas faire seul, dans ces cas-là, vaut mieux le faire bien accompagné. We met the team of Plateau Virtuel during the shooting of the European Spatial Agency. That was virtual production shooting using the Sony Venice camera. And this is where the discussion came about how to bring the virtual production quality to the next level. C'est-à-dire que la plupart des écrans qu'on a pu utiliser, on avait toujours des problèmes de moiré, des problèmes de banding, on avait des problèmes de synchronisation aussi d'affichage. On a eu pendant ce tournage une discussion directement avec Sony qui nous présentait un nouvel écran, donc le Crystal LED. We can really completely turn off the light and have a total dark, which really brings a very high contrast, extremely natural when you are setting up scenes like in the real world. And also at the same time a very fine pitch. Jusqu'à maintenant, on avait un écart qui était d'à peu près de 2,6 mm. Là, maintenant, on est passé à 1,5 mm, ce qui est très très peu. Ce qui nous permet de pouvoir tourner très très près de l'écran. C'est celui qui, aujourd'hui, répond à toutes nos attentes. When the Sony Venice was designed, already the engineers wanted to have something extremely consistent in terms of color space and natural reproduction with the Crystal LED. Ce qui nous permet, nous, d'avoir une rapidité d'exécution sur les tournages. On sait que les couleurs qui sont affichées sur l'écran sont en accord avec ce qui va être capté par les caméras Sony Venice. Il y a eu un intérêt commun, tant pour Novelty, AMP Visual TV et Sony, de prendre place dans ce lieu. Et si on devait le présenter de cette manière, c'est un peu le studio labo de ce qui se ferait demain. Et si en plus on associe, je pense qu'on on donne une dynamique. Sony est arrivé il y a longtemps chez AMP Visual TV. La totalité de nos outils de production, car régie, sont majoritairement équipés en Sony, tant au niveau des mélangeurs que des caméras. On a été très bien accompagnés par les équipes de Sony. Qui sont venus du Japon directement. Donc il y avait des chefs de projet, les chefs produits qui ont aussi participé. Il y a les techniciens qui développent les logiciels. Ils ont pris quelques jours pour calibrer l'écran, la colorimétrie, pour pouvoir calibrer aussi la surbrillance qu'il peut y avoir entre deux dalles. Aujourd'hui, on est très 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 heureux et très content des réglages qui ont été faits et puis de la matière qu'on a pour nos futurs projets. Nos clients sont aussi, à un moment ou un autre, des gens qui cherchent la disruption, de ne pas faire pareil que les autres. Et donc, du coup, je pense justement qu'on est, on est réellement là dans le cadre du premium. C'est une première mondiale. On n'avait jamais eu ça jusqu'à maintenant dans la production virtuelle. Il n'y a pas d'équivalent. Sony est un fournisseur fidèle et de longue date. Le XR, une technologie en devenir. Le lieu, certainement des très beaux lieux d'accueil en plateau de télévision en France. Et on peut s'en satisfaire. Et aujourd'hui, je pense qu'en effet, il existe en France un très bel outil de travail dont on est très fier. All the creators, all the people producing high quality content will have now a place where they can really go to the maximum of their creativity. And we hope that is going to open a new era for the best project ever here in France.